Si vous êtes sur la vidéo qui est sur FlappyXTV, bienvenue à vous dans une toute nouvelle vidéo zombie. Aujourd'hui, nouvelle série qu'on lance sur la chaîne secondaire. Vous savez que tous les mardis, jeudis, il y a des épisodes custom map zombie. Et bien maintenant, il y aura en plus de ça les samedis. Peut-être pas tous les samedis, nous verrons bien. Mais possiblement, nous ferons du coup tous les secrets du mode zombie en solo. Et j'essaierai de sortir un maximum de samedis. En gros, bah, des fois, il y aura des rounds sans les samedis. Bisous de merci beaucoup Amifid. Bon, vous voyez qu'on tourne ça comme toutes les vidéos, bien sûr, on tourne ça en live Twitch. Il y a le Wami qui a lâché son 38e mois de sub. Alors pour son 38e mois, lâchez des likes s'il vous plaît YouTube. Abonnez-vous pour cette nouvelle série. Ouais non, donc en gros, ce sera peut-être pas tous les samedis, mais globalement, ce sera quasiment tous les samedis. Il y aura un secret solo, voilà comme d'hab, donc sans coupure, sans montage, genre vraiment brut, en mode vraiment vidéo zombie à l'ancienne. C'est les gros marathons zombies que faisaient les youtubeurs de l'époque. Donc voilà, écoutez, pas grand chose à dire de plus, on lance cette série. Ça va être sympa je pense, en vrai ça peut être plutôt cool, hop on récupère tout. Et du coup pour le premier épisode, on commence directement avec Zombies in Spaceland de Infinite Warfare. Vu qu'on est sur une soirée W sur Twitch, je me suis dit bah écoute, autant qu'on fasse ça direct, hein. Voilà, on lance la série du coup quasiment tous les samedis à 14h. Petite vidéo, secret zombie solo, voilà le secret spécial, le secret Drave, le secret de Shadows, etc. Et voilà. Voilà, j'ai rien de dire de plus. Ça sera tourné globalement les lundis soirs sur Twitch. Voilà, donc lundi ou les mardis. Donc rejoignez Twitch si vous voulez voir ça tourner en stream, tout simplement, tout bonnement. Et nous, on est parti du coup pour tenter le secret de Spaceland en solo, qui sera le premier épisode. Et let's go. Écoute, pas grand chose à dire de plus. Pour où est-ce que j'en suis? Au Citycom, il me reste uniquement la radio à faire. Du coup, on va se setup tout ça. On espère avoir de la chance sur les soldes, parce que j'en ai pas beaucoup des soldes. J'ai vraiment ruiné tout ce que j'avais. Je suis pauvre, j'en ai les pieds. Il va falloir que je refasse ce déclé pour la prochaine fois qu'on va sur IW chat. Sinon ça va être galère. Et d'ailleurs sur YouTube, hein, dites-moi dans les commentaires quels secrets vous aimeriez voir en priorité. Voilà, dans les secrets que, qui sont faisables en solo bien évidemment. Mais ouais, dites-le moi, ça m'intéresserait. Je sais pas, Dare Sintra, Voyage of Despair, Raven the Redwood, Attaque de la chaussée radioactive, je sais pas, dites-moi. Et voilà, dites-moi tout. Salut toi MV, comment est-ce que tu vas? J'espère que tu vas bien. Hop. Il nous restait du coup la calculette. Ouais, c'était la calculette, oui. La calculette. Alors, attends, déjà rituel. Voilà, ma souris elle est partie d'un seul coup à droite, j'étais pas prêt. T'as cru que j'allais passer sur Spaceland sans faire des basketball dans notre Saturne? Mais t'y es fada. T'y es complètement cinglé. Ah, j'aurais pu faire un perfect hein, si j'avais pas loupé la première. Dommage. C'est sûr qu'elle... celle-là, je crois, mais elle n'a pas l'air d'y être. C'est bien celle-là de... Non, attends, non, celle-là. Oui, celle-là. Je comprends tout le temps. Ok, on a déjà le Seticom. Du coup, la première étape est prête. On va faire le Pack-a-Punch pour améliorer, bien sûr, Candle. Très important de les améliorer. C'est une nécessité. C'est l'une des meilleures armes du jeu, évidemment. J'ai oublié, d'ailleurs, de faire le portail... le petit portail ici. On va aller faire ensuite celui de Polar Peak. Salut, le portail. Ça va ou quoi? Salut Antoine, comment est-ce que tu vas? J'espère que tu te portes bien. Wami, ouais. Il y a juste Shaolin, j'ai un petit peu moins d'infection avec la map. C'est la seule, tu vois, je suis en mode, ouais, j'aime bien, j'adore Shaolin. Mais un peu moins, tu vois, que les autres. Voilà. Le mythique, le seul, l'unique, évidemment. Évidemment. Salut les zombies. Oh, j'allais lui foutre un gros coup de cul. Ah, mais... Oh, c'est la partie d'avant, oui, que j'en ai... J'en ai tué plus que ça, j'ai oublié que Point Dexter, vraiment ça, son coup de corps à corps, il est magistral. Genre c'est vraiment juste un petit sur le zombie. C'est vraiment, c'est humiliant pour le zombie, regarde. Eh, le zombie se fait humilier quand il meurt, c'est terrible. Ça avait exploserie, vraiment. C'est vraiment... C'est ça, moi j'aime trop Point Dexter. Je l'aime beaucoup trop, enfin tous les personnages W, je les aime trop. Ouais Antoine, c'était trop bien. C'était beaucoup trop lourd. Alors, le pack-a-punch, c'est fait. On va directement améliorer le candle. Direct. Y a pas le temps. Hop. On va tèche 3 armes également. On va tèche la glissade de feu. Glissade de feu, elle était où? Glissade de feu, chat, c'est pas derrière les machines d'arcade? Si je dis pas de bêtises. Là tout. Il y aura une vidéo MV. C'est un nouvel épisode d'une série de vidéos qu'on fait sur la chaîne secondaire. Et ben, on va carrément se mettre des soldes en vrai. Bradry! Ah, j'ai oublié de tèche 3 armes. Bon, on va espérer, sinon j'achèterai l'arme au mur ici. Hein. Bon, là, ce que j'ai récupéré, c'est la troisième arme, donc faut que je fasse gaffe.
Ouais, ça, Genesis, c'est bien ce que je me souvenais. Ok, c'est bon. On peut garder les trois armes. J'espère avoir au moins une des armes spéciales. N'importe laquelle, je m'en fous, hein. C'est tranquille, de toute façon. Voilà. Bah voilà. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Non, j'aime pas. Non, j'aime pas. Non, non, non. Merci beaucoup, Ayores, les 25 mois de sub. Let's go, Boomal, merci à toi. Tu me régales, merci pour ton soutien. Oh, j'espère que le petit David, il est pas là-bas. David, me dis pas... Non, non, non. Tu me fais dépenser des points pour rien, David. Tu comprends ça? Bien sûr, Maxime, tous ceux... à partir d'Origins, à l'exception de Shadows of Evil, sont faisables en solo. Faut que je passe une manche ou pas déjà, je m'en souviens plus. Ouais ouais, Rosen, c'est le Shredder. J'ai pas de connerie. Shredder, ouais. Les pro IW là, Rosen. Rosen, je vais vraiment finir par te payer, hein, c'est terrible. D'accord, faut que je passe une manche là par contre. En chat, Rosen, c'est simple, c'est la personne. À chaque fois que je fais du IW, je lui pose toutes les questions possibles pour les secrets, vu que c'est ceux que j'ai pas trop fait dans ma vie. J'ai passé, je crois, perso. Ouais, c'est. Il me semble. C'est ça. Genre, par exemple, je sais que attaque de choses radioactives, si Rosen n'est pas dans le chat, je ne fais pas le secret. Je ne veux pas le faire. Et il m'emmerde! Ah bah voilà, quand même! Oh, j'espère que c'est pas ici. Ok, c'est bon. C'est pas là. Ça me rassure. Headcutter, oui, pardon. Non, le Shredder, c'est celui qui est noir. Ah oui, c'est vrai, fallait que j'attende ça. Tain. Hop, la petite tate. Oh là, la petite claque. Petite claque, là. Non, toujours pas, Antoine. Non, bah non, bah non. Non, non. Imagine la pause sur Vanguard. Pff. Pff. Ah non, elle y est pas. Elle y est pas. Oh, Vanguard, hein, je vous jure. Blague, j'ai pas fait, j'ai quitté. Les mules étaient trop buggées dans les escaliers, ça m'a fait rager. Petite fessée zombie, c'est vraiment une fessée, quoi. Genre, vilain zombie, vilain. Ok, c'est pas là non plus. Pour le Seticom. Ah, mais non plus, je connais pas. Vend quoi, Vang... Y'a rien du tout. Ça se trouve, dans un an, on aura changé totalement de discours à propos de Vanguard, parce qu'ils ont répondu une masterclass, tu vois. Genre avec les prochaines maps DLC, mais j'y crois pas trop. Hein. Doum, doum. Dumber, il en demande trop. C'est... Non, mais en vrai, il y a une explication hein, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de pause. Comme il a volé. C'est en gros, Treyarch, ils sont arrivés pour le mode zombie. On leur a dit, bah c'est simple, vous bossez sur le moteur de Modern Warfare, qui est du coup une amélioration du moteur de base de Call of. Du moteur qu'on avait depuis toujours. Mais sauf que Treyarch n'avait jamais bossé là-dessus. Et en quelques mois, ils ont dû développer le mode zombie dessus pour faire le mode zombie de Call of Duty Vanguard. Sauf que problème, ce moteur-là et ces nouveaux systèmes de serveurs et tout ne prennent pas en compte la pause comme avant, tu vois, la pause serveur et tout, comme on avait pu avoir sur B4, c'était un tout autre système. Du coup, ils ont dû totalement apprendre et sauf qu'ils sont là en mode, et on sait pas faire de pause. C'est pour ça que par exemple, sur le mode survie de Modern Warfare 2019, il n'y a pas de pause, même en solo. C'est parce que c'est exactement la même chose. Mais juste, ils sont arrivés, ils ont fait très rare, c'est simple. Vous faites un mode zombie en si peu de temps, voilà. Donc oui, c'est pas cool. C'est pour ça que du coup la pause galère à arriver. En même temps, Treyarch, c'est terrible. Hein. C'est vraiment les S-A-L-O-P-E, à dire le mot pour être un minimum poli, d'Activision. Hein. C'est les pauvres. C'est trop drôle, vraiment. Ça qui était bien, c'est qu'à chaque fois il y avait une autre animation pour les coups de cut et tout, c'était toujours voilà. Sur ça là c'est cool, tu vois, je suis rassuré, très rare qu'ils ont un an de plus pour développer leur code. Ils sortent pas en 2023 mais 2024 du coup. Du coup je suis en mode, ah bah Activision, vous avez enfin compris que faire des heures sup
à vos développeurs, c'est pas une bonne idée, bande d'abrutis. Désolé. Là, il y a tellement de témoignages à propos de ça. Sur ça, notamment, il n'y a pas eu de campagne sur BO3 à PS3. C'est pour ça qu'il n'a pas été si beau. C'est parce qu'il était fait en peu de temps. Genre, leur journée, normalement, ils se finir à 17h. Les mecs, au dernier moment, ils disaient bah non, en fait, vous restez. Voilà. Et ils finissaient, du coup, à des coups de. Oh, je sais même plus, attends. Je crois, justement, ils devaient partir à 17h et c'est resté jusqu'à 23h. Et ça, toute la semaine. En heure sup. Sans être payé plus, hein, il me semble en plus. Ah bah là, Zox, ils ont plus d'excuses, Rayark. Hein. Vraiment, plus d'excuses pour le prochain code. S'ils pondent un jeu buggé ou qui est nul, là, ce sera entièrement de leur faute et il y aura pas d'excuses en mode ils ont passé le temps. Là, tu vois, encore Vanguard, Cold Wars. Ça se comprenait, tu vois, ils ont pris la relève sur Sledgehammer Games pour sortir BO4 à la place du code de Sledgehammer Games. Ok, ils ont dû assurer un an de contenu sur BO4. Dans la foulée, ils ont. Non, ils ont fait BO4. Pendant BO4, ils ont pris la relève sur Sledgehammer Games. Donc, ils ont dû assurer un an de contenu sur BO4. Plus bosser sur Cold War. Bosser un an de contenu sur Cold War. Renchaîner avec le zombie de Vanguard. Bosser sur la ligue de Vanguard. Je m'étonne que leur jeu à Treyarch, qui sont. C'est un fiasco. C'est pas étonnant. C'est vraiment les voilà d'Activision à Treyarch, c'est. C'est pour ça, je suis content quand j'ai vu qu'apparemment ça devenait de plus en plus confirmé que le code 2023 était décalé à 2024. J'étais en mode mais merci Activision. Enfin vous avez compris. Apparemment c'est vraiment Vanguard qui leur a fait tilter que. Ouais au vu des stats que. Bon, il y a un problème. Voilà le S-Word, bien vu. C'est les S-Word d'Activision Treyarch. Hop là. Granate frag, non merci. Salut toi. C'est rien que le prochain on les soit en haut soit en bas. Ça me plairait bien. J'étais voir il y a 10 secondes, je suis retourné voir, c'est fou hein. Je crois que j'ai déjà Alzheimer hein. Terrible. Quand je m'en ouais, trop de bugs sur les mines à récupérer dans les escaliers. Elles se bloquaient toutes. Oh, sac à dos, sac à dos. Qu'est-ce donc? Ouh. Bienvenue à Polar Peak. Ah, et tous les sons en vrai d'IW, c'est pour ça que moi c'est un de mes préférés. Déjà l'ambiance spéciale de années 80, je surkiffe. En plus ça, tu vois, tous les voix d'annonceurs, les petites voix par-ci, par-là, genre, tu sais, pour juste le bienvenue à Polar Peak et tout. Genre, s'il y a une vibe ultra rétro, je... Oh, j'adore. Ah, j'adore, je vous le dis, j'adore. Eh bien, ça dépend si tu parles uniquement multi, uniquement campagne, uniquement en mode coop, ou si tu parles des trois réunis. Ah, c'est pas là, c'est en merde. Ah, si c'est Fontaine, par contre, chat, je pète un plomb. Je vous le dis. Des secrets, croque jambon, pour les tryhards et les apprendre par cœur. Eh, Wami, ça va faire 4 ans cette année, hein. C'est énorme. Exactement, Genesis. La voix de ce truc-là, elle est... Ils sont trop forts. Trop forts, Infinity Ward. Ça m'explose de rire, vraiment. J'aime trop. Dreams, pas Tito, on l'a fait il y a peu de temps la dernière déjà. Ça me plaît. Les trois réunis à MV, c'est gosse. C'est le seul code où j'ai aimé. Enfin, j'ai adoré le multi, adoré la campagne, adoré le mode coop. Avec l'extinction notamment. Oh, il s'est pris un coup, l'enfoiré. Ils sont passés. C'est vraiment le seul code où les trois modes j'ai kiffé. Sinon, à chaque fois, tu sais, il y a soit la campagne, soit le coop, soit le multi que j'aime pas. Par exemple, la W, j'aime pas le coop. Hein, le mode zombie, bon, c'est pas qu'il est éclaté du fion, mais un peu. IW, bah c'est une multi que... Enfin, je n'ai pas un bon souvenir.
Basketball, anneau de Saturne. Joli tir. Un tir du parking. Nouveau record. Faudra vraiment que j'ai réussi à choper tous les sons de IW Zombie. Enfin, tous les sons de collab, j'aimerais trop, ce serait énorme. Hein. Genre, tu vois, je sais pas, à un moment, je pète un record, hop, sur la soundboard, mais juste nouveau record. C'est trop bien la caisse de mule, hein. J'aime trop. Et bah c'est large, 10 secondes restantes, l'étape ça va être tranquille. Et boum! On va retourner voir le petit David. Attends, est-ce qu'il est pas là? Est-ce qu'il est pas là le petit David? Davidou, est-ce que tu es là? Non, tu n'es point ici, d'accord, très bien. Très bien. Peut-être qu'il est du coup au croco? À Kepler System? Non. Ah bah il est toujours aux fontaines, l'enfoiré. Ouais, ça, Genesis. Ça, je me souviens. C'est juste à chaque fois le premier, je suis en mode attends, est-ce que j'ai besoin de passer une manche ou non? Finito pipo. Finito pipo. Salut, monsieur. Ah, c'est bon. Oh, niveau 2, la type 2. Je crois qu'à un moment, on farm vraiment IW Zombie. Hein. Tous les défis, tous les niveaux d'armes. Mais déjà, BO4 en priorité, on va se faire. C'est la priorité, BO4. Du-du-du-du. Ah ouais, Rosen? Peut-être ça dépend des manches. Des manches spéciales. En mode, si elle a la manche spéciale entre temps, c'est 4 manches du coup. Je crois qu'elle compte pas la manche spéciale. Peut-être une connerie. Aussi, le niveau, Ethan, exactement. Exactement. Ah, beaucoup de trucs à farm quand même. Hein. Cadence de l'arme, quand même, c'est n'importe quoi. Hop là. Ah ouais, Rosen? Ah bah attends, on va aller voir. Gamer, t'inquiète pas, BO4, je connais bien. Je l'ai fait en 100% sur PS4. Ne t'inquiète pas que le Dark Matter et tout, je connais très très bien. Compris, l'ami. Pas la peine de lancer l'alerte à Malibu. Je te mets encore un petit instant et je balance le mort. Non, ça a pas l'air d'être bon là. J'y ai pas l'impression. Where is the last one? Where are you, please? Non, jamais Maxime. Ok, Rosen. Je suis un peu au courant que ça variait. Il y avait des variations et tout, carrément. Ah. Tududum. Alors ça quand même, hein. La musique de la manche des clowns, ah là là.
Wesh Tira, comment est-ce que tu vas? Tira le plus haut. Allez, let's go boss fight. Enfin, attends, avant le boss fight, on a ça. Alors, jaune, rouge, vert, bleu. Jaune, rouge, vert, bleu. Ok. Ouais, jaune, rouge, vert, bleu. Vert. Vert, bleu. Oh, let's go. Ça, j'aime bien. Tu vois, ça va faire un beau cercle. Donc je commence à droite, je passe par derrière et je reviens devant. Ok, cycle 1, c'est bon, je pense, non? Pardon. Je te jure, Genesis, ça t'évite à faire le truc en mode tu vas devant, derrière, droite, gauche. Ça, c'est vraiment juste... Rouge, jaune, donc devant, bleu, bleu, bleu. Au niveau là des couleurs, on chatte de ouf, hein. C'est trop bien. Bleu, jaune. Rouge, vert. Donc... Let's go, c'est le moment des clowns. On a passé l'étape, on survit aux clowns, chat, et on passe au boss. Vraiment, quand t'as besoin de faire les armes spéciales, il est pas compliqué, enfin, dès que t'as le director's cut plutôt. Dès que t'as le director's cut, le secret est quand même plutôt simple. Mais bon, sans le director's cut, par contre, c'est pas la même histoire. Oh non, j'ai pas vu! Déjà! J'irai juste repacker les zomblards. C'est que des cercles, Rosen, que des cercles. Ça fait que des cercles. Mais il est où?
Il est en bas? Ah ouais. Ah le salaud. Aïe aïe, j'aime pas cette attaque. Commence à bien le connaître hein, le secret space dans le chat, je suis content. Oh le karma. Le karma pour la game de bâtard. Vas-y, on va paquer les zombies chill. Oh oh. T'étais pas prévu dans mes plans toi. J'ai une fessée, je te jure, je lui mets des petites claques sur les fesses à l'alien. Salaud. Il est énervé le frérot. Attends là je crois qu'il faut juste que je lui tire dessus hein. J'ai plus besoin de le cut à la fin. Ah, il est remonté au-dessus hein. Enflure. Fumier. Let's go. Vas-y, on tente, on verra bien. Let's go! Secret terminé! En 27 minutes, je crois que c'est un des meilleurs temps. Pourtant, on l'a fait vachement chill. Oh, je suis trop content, chat. Là, tu vois, spécialement, on commence vraiment bien le connaître. Hein. Et voilà. Les petits fusibles, si on veut. Comme ça, on peut placer les fusibles. Bah voilà, on a terminé le secret spécial. Là, 27 minutes, franchement. Je suis trop content. Mais on a full chaté, hein. Première boîte, on a littéralement la meilleure arme spéciale. On a eu tout en cercle. Et le tirissement, hop là. Nouveau record. Et on va faire l'outro de la vidéo YouTube du coup sur sur ça. On va faire la, du coup la petite outro. Bah écoutez, YouTube, j'espère que vous aurez kiffé ce premier épisode de tous les secrets du mode zombie en solo. Voilà, on a commencé avec Spaceland IW. Pas très long, mais c'est une bonne mise en bouche au vu de cette map de folie. J'espère que vous aurez kiffé la vidéo. Si c'est le cas, YouTube, pensez bien évidemment à liker celle-ci. Pensez également à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas louper les futures vidéos. Justement, on fait tous les secrets en solo. Ce sera globalement les samedis. Il se peut que des samedis, de temps en temps, il y a un round 100, un pack-up, un challenge ou quoi. Mais globalement, les samedis, ce sera quand même dans la grande globalité les secrets en solo. Et du coup, n'hésitez pas à rejoindre Twitch également hein. Du coup, on tourne ces épisodes là. C'est tout. Ça dépend, soit les lundis, soit les mardis. Ça dépendra des semaines. Mais globalement, venez follow le Twitch si vous voulez voir des live zombies. Et puis, bah voilà, sur ce, pressant de vous. Et à la prochaine, YouTube.